Bonjour, nous sommes en bonne compagnie puisque nous vous retrouvons tous les samedis, tous les dimanches, et le dimanche désormais à 7h20. Qui est ici sur le plateau de Thé au Café? C'est une femme pugnace, déterminée, combative, et on a de l'admiration pour elle. C'est Jeannette Bougrab qui est notre invitée ce matin. Elle nous vient de Finlande puisqu'elle vit désormais en Finlande. Bonjour Jeannette. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. En effet, souvenez-vous, on s'est quittés. Vous étiez secrétaire d'État. Oui. Au gouvernement donc Fillon, sous Nicolas Sarkozy, défenseuse farouche de la laïcité. En 2015, on vous avait laissé en compte. Vraiment meurtrie, une femme blessée après les attentats de Charlie Hebdo. Vous avez été la compagne de Charb. On reviendra évidemment sur toutes ces étapes de votre vie en résumé, en peu de temps, parce qu'il y a un concentré là, en 2 ans, votre vie, elle a implosé réellement. Elle a implosé et en plus j'ai perdu ma mère. Voilà. Et de plus, vous avez perdu votre mère quelques temps plus tard. Alors, vous écrivez. Lettre d'exil, la barbarie et nous, c'est un manifeste contre l'islam radical dans lequel vous pointez du doigt les domaines dans lesquels l'État a failli, l'éducation, l'intégration, l'immigration, la laïcité, la compromission aussi avec certains pays du Golfe comme l'Arabie saoudite, donc un appel à la résistance. Vous savez que dans l'émission, on aime bien quand même revenir en arrière pour comprendre un petit peu les origines, d'où on vient, comment en fait on s'est construit. Vous êtes née à Châteauroux. Le fait de vous donner un prénom, Jeannette, voilà, bien marqué, hein, bien classique. Est-ce que c'était un marqueur pour vous accompagner dans une intégration? Mes parents étaient convaincus que de toute façon, on ne retournerait pas en Algérie. Je suis fille de harkis et donc à la maison, on parlait français. Et on est quatre enfants. On est deux avec un prénom français. Et deux avec de prénoms arabes. Et je pense que c'était la volonté de mes parents de nous intégrer, de nous faire comprendre qu'on ne devait pas regarder derrière, c'était devant. Et notre avenir, c'était la France. Vous le regrettez aujourd'hui? Ou est-ce que ça vous a facilité, en fait, la vie? Non, ce prénom, tout le monde... aujourd'hui, je n'aimais pas mon prénom quand j'étais enfant, parce que ça s'appelait Jeannette dans les cours de récréation. J'avoue que ce n'était pas à l'époque ne où... Ne pleure pas, Jeannette. Ma fille me la chante aussi. Ça, c'est vous, hein? Ça, c'est moi, voilà. Ça, c'est moi. Je devais être à l'école maternelle, voilà. Et ce qui est assez émouvant, enfin, ce que je trouvais assez... C'est que ma sœur m'a rappelé. J'ai ma sœur aînée qui s'appelle Salima. C'est moi qui ai voulu aller à l'école, en fait. Et j'avais toujours mon biberon jusqu'à l'âge de 3 ans. Et c'est à partir du moment où on m'a dit que si je voulais rentrer à l'école, je devais abandonner mon biberon, que j'ai accepté d'abandonner mon biberon. Et normalement, les petits en petite section n'avaient cours que le matin, mais moi, je voulais y aller le matin et l'après-midi. Et ça, ma sœur me l'a rappelé. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que ma sœur, elle me dit tout le temps et elle me le répète, elle voudrait que ses enfants me ressemblent. Et ça, je trouve que c'est le plus beau compliment que ma sœur pouvait me faire, voilà. Est-ce qu'elle est impressionnée par vous et par votre parcours? Par les études. Ma sœur n'aimait pas trop les études. Est-ce que vous êtes la seule, en fait, de la fratrie à avoir fait des hautes études? Oui, mais je ne sais pas. Je crois que ça, c'est parce que j'ai peut-être pas beaucoup de chance, parce que j'ai toujours été le vilain petit canard. Voilà. Et je savais, moi j'ai eu de la chance d'avoir mes parents, et ma mère nous répétait, elle pleurait, et même... Avant même qu'elle s'éteigne, elle a dit qu'elle aurait voulu aller à l'école. Et ça, les gens l'oublient que dans beaucoup de pays, et c'est pour ça que j'avais fait un documentaire, 64 millions de petites filles ne peuvent pas aller à l'école chaque année. Et ma mère nous disait, vous avez de la chance, vous êtes née en France. Vous devez aller à l'école. Mon père nous disait, vous ne devez pas être comme nous, travailler à l'usine ou garder les chèvres. Il faut dire que votre mère, elle a été mariée à l'âge de 13 ans. C'est ça, cette situation. C'est la raison pour laquelle ces combats sont chez moi chevillés au corps et que jusqu'à mon dernier souffle, je porterai parce que... Elle est devenue mère à 14 ans? Oui, mais ma grande sœur est morte quand elle avait 2 ans, faute de soins en Algérie. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui de votre maman qui est décédée en 2015? Tout. D'abord, elle me téléphonait, elle me... Donc, sa voix? Sa voix, en fait. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans que je rêve d'elle, en fait. C'est très étrange. Ma mère, c'était... Et là, c'était avant qu'elle... On lui a posé... Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle du cancer, en fait. C'est des...
Alors qu'on devrait en parler, oui, parce que dans toutes les familles, on a quelqu'un autour de nous qui est, oui, touché par le cancer. Et en ce moment, il y a une campagne de dons pour Gustave Roussy. Et ma mère a été soignée à Gustave Roussy et avec le professeur Ducreux, qui est quelqu'un de remarquable. On venait de lui poser sa chambre, voilà, oui, là, avant d'avoir son traitement de chimiothérapie. Et ils ont été exceptionnels. Et je suis très fière de ma mère et qu'on se disputait souvent. Sur quoi ? Sur quel sujet ? Surtout, en fait, je ne suis pas très bonne femme d'intérieur. Elle aurait voulu sans doute que je revienne vivre à Déol, à Châteauroux, à côté d'elle. Je crois qu'elle me trouvait parfois trop indépendante et des fois, on se fâchait. Mais tout me manque d'elle, en fait. Est-ce qu'il y a un fossé aujourd'hui entre vous et les membres de votre famille en raison aujourd'hui de votre position sociale ? Il y a une partie de ma famille ne me parle plus, donc c'est pas... En raison de ça ? En raison de tout ce qui s'est passé en 2015, en raison de tout ça. Donc j'ai mon père et ma sœur, voilà, et mes neveux. Mais je suis, voilà... Vous êtes bannie par... Oui. Par une facette de la famille. Oui, on n'était pas très nombreux, donc oui, oui, c'est pas facile d'être une femme. J'ai fait des choix qui ont été difficiles. Enfin, j'ai fait des choix, mon âme et conscience. J'ai payé le prix le plus cher. Le prix payé, c'est la solitude aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser que les combats que je mène sont des combats faciles, parce que moi-même, j'en suis la victime, en réalité. Et quand on dit d'une femme qu'elle est une traînée, je pense que certains membres de ma famille doivent penser, que je suis une traînée, voilà. Une traînée. Une traînée, oui. Et c'est comme ça qu'on considère les femmes. La femme arabe ne s'appartient pas, voilà. Donc à partir du moment où j'étais devenue un personnage public, Et en même temps, je vis en Finlande, j'ai une petite fille merveilleuse et je vis protégée dans mes terres de glace, donc j'ai pas de... Mais être une femme... Et vous êtes aujourd'hui directrice de l'Institut français, hein, Helsinki. À Helsinki, voilà. Votre portrait, on va revenir en arrière avec Philippe Guepers. Fruit de la méritocratie républicaine, Jeannette Bougrab est une combattante jusqu'au boutiste. Ça veut dire qu'il ne doit jamais lâcher, voilà. Et que c'est payant. Fille d'ouvrier harki, elle se bat d'abord contre les préjugés racistes. Si vous me dites... on mange quoi dans votre pays ? Je peux le prendre mal. Jeannette, faut pas la chercher. Alors quand elle s'engage en politique, c'est d'abord pour ses parents. Ils ont connu les camps, les massacres, etc. Et pourtant, s'il y a des gens qui sont français, c'est bien eux. Et c'est bien nous. À l'UMP, Nicolas Sarkozy l'envoie au front pour les législatives dans la 18e circonscription de Paris. Je suis de droite et j'ai pas de problème. Trompette quartier. Elle a beau battre la campagne, elle perd le combat, mais gagne le Conseil d'État, puis la présidence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Son principal fait d'armes, le soutien à la crèche Babylou, mise en cause pour avoir licencié une employée qui portait le voile. Je crois que se pose dans cette affaire une vraie question de société, la question de la laïcité. La laïcité, principale bataille de cette républicaine convaincue, nommée en 2010 par le président Sarkozy, secrétaire d'État. Chargée de la jeunesse et de la vie associative. Toujours prête à défendre ses convictions, elle prend position, quitte à déplaire à son propre gouvernement. Il faut que le président Moubarak parte. Après la défaite de Sarkozy en 2012, elle s'éloigne de la politique pour consacrer un documentaire aux 65 millions de petites filles privées d'école dans le monde, comme sa mère l'a été. Je suis prête à me suicider si on ne me laisse pas étudier. Combative, cette célibatante l'est aussi pour sa fille, qu'elle a adoptée au Laos. Ma fille, c'est ma vie, c'est mon tout, voilà. C'est pour protéger sa bien-aimée et panser ses plaies que Jeannette Bougrab s'est réfugiée en Finlande après l'assassinat de son compagnon, le dessinateur Charm. Et il est tombé pour la cause. Mais la cause n'est pas morte, alors on va continuer de se battre. Charb nous avait prévenu, faut pas faire chier Jeannette, car elle est prête à tout pour continuer le combat de sa vie contre l'islamisme. Oui, après le décès de Charb, vous avez révélé votre relation, vous avez accordé une interview, c'était à Rutel Krief, et on vous a reproché en fait cette prise de parole. Vous en êtes toujours blessée ? J'en suis blessée pour ma fille, voilà, parce que d'abord une partie de ma famille, pas ma mère, hein. Ma mère l'avait rencontrée, donc c'était quelque chose, mais une partie de ma famille m'a rejetée. Les médias vous ont lynché. Oui, ça... pas qu'un peu d'ailleurs, ça continue des fois, donc je reçois encore des injures, donc.
On m'a accusé du pire. Ses amis n'ont pas été, ont été dégueulasses avec moi, mais ça les regarde. Moi, c'est très étrange en réalité, parce que je pense qu'on n'est pas libre, qu'il y a une violence dans la société française qui est irrationnelle et qui est d'une. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cela, parce que le fait de partir, ça a été. J'ai été obligée de partir de mon pays. Voilà. Donc un arrachement. Oui, ça a été très dur et que. La pression était trop forte. Elle était insupportable, elle n'était pas tenable. Et qu'est-ce qu'on vous a reproché ? Je pense que je n'étais pas du bon milieu. Voilà. Je pense que de toute façon, je pense que je n'appartiens pas à cette famille de Charlie Hebdo. Et moi, je n'en parle pas. Je ne parle plus jamais de ce sujet-là. Je ne parle pas d'eux. Je ne fais pas partie de leur monde. Et voilà, donc je n'ai plus rien à voir avec ça. Je n'ai rien à revendiquer. J'avais une carrière, j'avais une vie avant. Donc, ces combats pour la laïcité, je les ai menés avant. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Et qui vous aimait ? J'en suis demeure convaincue, parce qu'il me l'a écrit et je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Les écrits sont là. Après, ce que les amis peuvent en penser, ce n'est pas mon sujet. Moi, j'ai quitté la France. Ils continuent leur vie. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Mais c'est la seule chose qui me fait de la peine, qu'une partie de ma famille ne me parle plus, ça les regarde. Mais c'est qu'un jour, ma fille lise toutes ces horreurs. Voilà. Parce qu'elle le garde, le souvenir de quelqu'un qui s'est occupé d'elle, qui l'a aimée, qui a joué avec elle, qui faisait des choses que moi, je ne faisais pas. Je voulais faire de la pâte à modeler, je déteste ça. Faire des dessins, ce n'est pas mon truc. Il y a des choses que je ne faisais pas avec ma fille. Donc, et que lui faisait. Que lui faisait. Et voilà, mais pour moi, la page est tournée. Vous avez prédit sa mort dans un livre, dans un ouvrage précédent. Vous disiez qu'un sort identique à celui de Théo Van Gogh peut lui être réservé, être assassiné par un fou de Dieu dans la rue. Ça, c'est page 91 donc de votre précédent livre. Est-ce qu'il en était conscient ? Il en était conscient et il en avait peur. Donc, c'est pas. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un comme Kamel Daoud, aujourd'hui, il reçoit les mêmes menaces. Et je le cite à plusieurs reprises parce que je trouve qu'il fait partie de ceux qui relèvent, en tout cas, le défi de la défense de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de l'indépendance, de la possibilité pour la femme arabe d'avoir son corps, de pouvoir posséder son corps. Et sa propre identité. Et sa propre identité, d'avoir une sexualité. Il a dit dans une interview... Je pense parfois quitter l'Algérie, mais si je dois quitter l'Algérie, je ne viendrai pas en France. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la France n'est plus capable de protéger des combattants de la liberté, des combattants de la laïcité, ceux qui blasphèment, ceux qui critiquent la religion. Et c'est ça qui me rend triste. Alors pour vous reconstruire et pour vous protéger, vous êtes partie. Vous êtes partie en Finlande. Et de passage à Paris, là, pour quelques jours, on vous a suivi. Alors, Philippe Guepers et Anne Rousse-Leblanc étaient avec vous. On a passé un moment dans le quartier du Panthéon. Alors, vous n'êtes vraiment pas passé inaperçu. J'arrive de Helsinki, en Finlande. Alors, à chaque fois, quand je reviens, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et un peu de fragilité. Les premiers mois, je ne suis pas revenue souvent en France, en fait. J'avais peur. Qu'on m'agresse, qu'on m'injurie. Peut-être qu'il faut maintenant, justement, revenir et de se dire on ne va pas les laisser gagner. La culture de la terreur et de la peur ne passera pas. Ce quartier est pour moi très important parce que c'est là où j'ai fait mon DEA, mon doctorat. Vous avez en face le Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est magnifique. Il manque peut-être le mot femme. Il doit y en avoir moins d'une dizaine de femmes qui sont là. Et 76 hommes. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez une femme voilée dans la rue ? Ça ne me laisse pas indifférente parce que ce n'est pas le cas. Mais je me dis ce que font les femmes iraniennes en ce moment. Elles sont pleines de courage, elles enlèvent leur hijab. Certaines mettent un voile blanc, elles se font arrêter par la police. Et j'ai plutôt envie de m'intéresser à ces femmes-là que celles qui, en France, décident de porter le burkini, alors qu'en Algérie, elles portent le bikini. Et ça, je trouve ça désespérant. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez la une de Charlie Hebdo ? Ah, je peux pas. Non, ça, je le fais pas du tout. Ça, je ne pourrai plus jamais regarder Charlie Hebdo. Ni le lire ? Non, jamais. Non, jamais.
Jamais. Et donc là, c'est là où je vis, voilà, quand je suis à Paris. Et là, on a les étudiants. Oh, elle est connue. Non, mais quand je vais vous le dire, vous allez hurler dessus. J'étais ministre de Nicolas Sarkozy. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des filles, il y a des gens comme moi issus de la diversité. C'est pas mal quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des fils d'ouvriers ou des filles d'ouvriers? Bah oui. Bah voilà, vous voyez, donc la mixité sociale. Quelle étudiante vous étiez? J'étais hyper ennuyeuse à mourir, j'étais pas drôle, stressée. Bah oui, enfin, c'est touchant, c'est émouvant, c'est voilà. Et ils ont une très bonne raison de revenir en France, voilà. Vous avez des amis encore ici, aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. D'abord, j'ai une petite pizzeria où je vais tout le temps, chez Mimo et Gianni. Ils ont été à mes côtés dans les moments difficiles. Moi, pourquoi tu pleures? Non, va bien, va bien. Faut pas... Va bien, ça va, ça va. Mais c'est un grand cadeau qu'elle a reçu. Parce que c'est des rencontres qui te changent la façon de vivre. Ecco. Moi, j'ai changé complètement la philosophie de vivre. Bellissimo. Ecco. Et ce dessin? Ce dessin, c'était les moments où on a pu passer ici. Mais c'est un endroit simple qui a protégé notre amour et qui était très... Voilà, c'était ça. Et donc, on n'avait pas besoin de se cacher parce qu'on était chez la famille, voilà. Le mot bonheur, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais à nouveau le prononcer. Ça fait plaisir de vous voir joyeuse. Oui, je me surprends même à être joyeuse, en fait. Voilà. C'est tout récent, voilà. C'est tout nouveau. C'est ce que vous disiez, oui. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage entre le moment où j'écris le livre et que je reprends le dessus. Quand on vous voit face aux étudiants, vous leur dites « j'ai été donc ministre de Nicolas Sarkozy, ça ne va peut-être pas vous plaire, dites-vous ». C'est votre fierté, c'est une de vos principales fiertés d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est une des plus belles expériences, si ce n'est la plus belle expérience professionnelle. Il ne m'a pas toujours fait de cadeaux, je m'en engueulais. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, les gens ne le savent pas, mais humainement, ça doit faire déjà presque 7 ans qu'on a... Non, peut-être pas 6 ans qu'on a quitté la vie politique. C'est la personne qui prend des nouvelles de moi. On se voit régulièrement. Je ne suis pas... on est amis, mais je n'aime pas avec lui, etc. Mais... Il est attentif. Toujours attentif. Quand maman est partie, quand il a toujours été là, à chaque fois quand j'ai pris des décisions pour ma carrière professionnelle, je lui ai demandé conseil. Il fait partie de ceux qui m'avaient dit « pars, Jeannette, pars pour ta fille, pars pour toi ». Et il a la délicatesse de ne pas oublier mon anniversaire. Donc il m'appelle pour mon anniversaire, voilà. Du 26 août. Voilà. François Fillon, qui était le Premier ministre, à l'époque, lorsque vous étiez au gouvernement, vous avez trouvé... Comment sa position, sa posture, le fait de se maintenir coûte que coûte à la candidature? Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû, mais je pense qu'il a été indélicat avec Nicolas Sarkozy pendant les primaires. Donc après, c'est toujours un retour de bâton. Voilà. Il n'a pas été délicat avec Nicolas Sarkozy, avec lequel il a été son Premier ministre pendant 5 ans. Voilà. Lettre d'exil, la barbarie et nous. Je dirais, en fait, comme ça, en résumé, en quoi... Votre constat est-il nouveau? Alors, il n'est pas nouveau en tant que tel. La seule chose, c'est qu'on ne l'entend pas suffisamment. En fait, le vrai sujet, c'est que jusqu'à présent, et je pense que c'est là où ça va devenir un peu plus délicat pour moi, c'est que je fais partie de ceux qui disent aujourd'hui « on ne peut plus détacher, comme pouvait le dire Mohamed Harkoun au lendemain des attentats de 2001 », on ne peut pas détacher l'islam du terrorisme. On ne peut pas détacher l'islam et la modernité. Parce que ce sont en réalité, l'islam et modernité, deux concepts qui sont totalement antinomiques. Et pour cela, je me dis, mais
Il y a des gens qui le disent, mais qui ne sont pas nécessairement entendus en France. Courrier International, qui est un excellent hebdo, a pu ainsi publier un article d'Ali Harb, qui est considéré comme le Derrida de la pensée arabe, et qui dit que de toute façon, modernité et islam sont incompatibles. Donc de penser que, quelque part, tout va bien, ce n'est pas à cause de l'islam qu'il y a telle ou telle chose, c'est se fourvoyer. Voilà. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à le dire. Et il y a des gens qui prennent des risques au prix de leur vie, et qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut que les gens arrêtent de nous dire que l'islam, c'est formidable, que nous, les femmes, on devrait être toutes musulmanes et à plus porter le voile, que c'est formidable, que le féminisme islamiste est quelque chose d'exceptionnel et de moderne. Ce n'est pas vrai. On veut avoir la liberté, on veut avoir une sexualité, on veut pouvoir s'habiller comme on le veut. On ne veut pas appartenir à l'Oumma. Et dans l'islam, il y a quand même des principes qui sont inconciliables avec la République. C'est ça qui est un peu... Quand vous parlez en matière de succession, même le président tunisien qui a plus de 80 ans explique qu'aujourd'hui en matière de droit de succession, on doit séculariser la société et faire en sorte qu'une femme hérite d'une part comme un homme et pas d'une demi-part. En Tunisie, et c'est formidable, on vient d'abroger un décret qui interdisait aux femmes musulmanes d'épouser avec un non-musulman. Et pourtant, la Tunisie de Bourguiba était montrée en exemple. Et pourtant, la femme n'était pas l'égale de l'homme. Donc, ce qu'on revendique, c'est juste l'égalité. Ne nous imposez pas une religion. Et de toute façon, cette religion ne nous permet pas d'être l'égale de l'homme. Mais est-ce que, quand on vous lit, vous condamnez directement le Coran, en citant des sourates, vous dites que le Coran, en fait, incite à la violence? Eh bien, quand il incite, oui, parce que quand on fait une lecture littérale du texte, c'est ainsi. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui travaillent sur l'herméneutique coranique, qui vous disent qu'il faut avoir une interprétation théologique du texte. Mais quand on met ce livre entre les mains de gamins qui ont 15-16 ans, qui ont décroché à l'école et qui passent plus de temps à la mosquée qu'à l'école, et à fumer des pétards, hein, parce que dans certains quartiers, il n'est pas un problème de fumer des pétards, d'aller à la mosquée, de ne pas aller à l'école. Eh bien, ça crée en réalité, ça crée des petites bombes. Quand vous voyez aujourd'hui que certains gamins préfèrent annoncer le Coran pendant des heures en ayant une lecture littérale, quand on voit la construction de madrassa, bien évidemment que ça devient une arme dangereuse. Voilà, la réalité est celle-ci. Il y a des associations comme l'ALAB qui prônent un féminisme musulman. Féminisme et islam, c'est pas compatible. C'est incompatible. Enfin, c'est pas... Pardonnez-moi, on est dimanche matin, mais c'est du foutage de gueule, voilà. C'est pas... Et en même temps, comme je vis loin, c'est comme l'écume des vagues. Vous savez, ça vous arrive les choses jusqu'en Finlande, c'est que l'écume des vagues. Mais ne parlez pas quand on voit la situation en Arabie Saoudite où des femmes, parce qu'elles conduisent, se font juger par des tribunaux spéciaux en matière de terrorisme. Quand on voit qu'en Iran, quand on est laïque, quand on se dit athée, on est condamné à 10 ans de prison et à des centaines de coups de fouet en Arabie Saoudite. Ne venez pas m'expliquer que je me dis que c'est les problèmes des pays riches. Voilà. Mais vous dénoncez d'ailleurs le rapport ambigu hein, des pays avec l'Arabie Saoudite et la France notamment avec l'Arabie Saoudite qui est le premier client de l'industrie d'armement et qui finance le terrorisme. Mais qui finance, mais c'est pas, je ne suis pas la seule à le dire. Hein, c'est-à-dire donc, que... Mais quelle attitude on doit avoir? On doit couper les ponts? Non. D'abord, je pense que une chose que j'ai appris avec mes nouvelles fonctions, c'est que le métier de la diplomatie, c'est qu'on doit parler à tout le monde. Voilà. Et quand on arrête de parler avec les personnes, ce n'est pas possible. Mais quand je vois la position du Canada, notamment sur la situation de Raif, vous savez, ce jeune blogueur qui est condamné, et quand le Canada dit stop, quand la Suède fait de même, on doit être capable de pouvoir dénoncer des situations, même si ce ne sont pas nos ressortissants qui sont dans des geôles. Voilà. Est-ce qu'il faut coopérer, par exemple, avec l'Iran, avec la Russie? Moi, je pense que là, on sera sûr. Quand je vois les Iraniennes, je me dis, mais elles sont exceptionnelles. Moi, j'ai pleuré devant le film Les chats persans. Quand je vois, vous savez, elles le mettent sur Twitter, elles mettent des vidéos tous les mercredis, elles enlèvent leur voile. Et on en voit certaines qui se font agresser. Elles se font agresser parfois par des femmes et parfois par des hommes. Quand je vois ces hommes qui mettent le voile pour dénoncer la condition de leurs femmes, je me dis qu'il y a une chose en Iran, c'est l'instruction. En fait, ce qui a permis, le seul côté positif de la révolution iranienne, c'est l'instruction et l'éducation. Mais aussi. Comment vous expliquez alors qu'ici, en Europe, notamment, des femmes s'enrôlent dans l'État islamique et partent ah oui, elles se convertissent, elles se marient sur Internet. Elles deviennent des esclaves sexuels. Elles deviennent même des geôlées de ces pauvres yazidis parce qu'elles ne sont pas musulmanes, donc violables et à merci de tous ces hommes.
Mais je ne l'explique pas, je ne l'explique pas et je ne cherche même pas à le... Alors je sais qu'il y a une étude qui vient d'être parue dans le New Scientist pour comprendre les ressorts et donc le fait qu'il n'y a plus d'idéologie après le marxisme et la chute du capitalisme ou l'idée... Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Enfin, moi, j'ai mes parents, je n'ai jamais vu mes parents comme ça. Mes parents sont nés en Algérie, ma mère n'est pas allée à l'école. Mon père vient des montagnes de Blida, c'est-à-dire du fin fond de l'Algérie. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas ça. Donc, je ne sais pas d'où elles le sortent, ça. Je ne sais pas d'où elles le sortent. Et donc, c'est pour ça que les termes de gens comme Mohamed Harkoun, qui était un enfant de Kabylie, hein, qui avait la chaire d'histoire des religions, il dit « mais c'est un islam fantasmé ». C'est un islam qui n'existe pas, qui est reconstruit. On est dans la mytho-histoire. Donc, elles inventent quelque chose qui n'a pas existé. Alors, c'est un quelque chose d'imaginaire. Elles font une lecture littérale du texte, ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces femmes-là? Moi, je tourne la tête. D'autant que vous voyez que des femmes comme la princesse, donc épouse du roi du Maroc... Elle était en pantalon quand elle a reçu exactement. Le couple de Macron. Rania Jordani. Elle ne porte pas le voile. Et quand même, l'épouse du roi du Maroc, qui est pourtant chef des commandeurs, ne se voile pas quand elle va en Arabie Saoudite. Et quand je vois des ministres françaises qui se voilent, je me suis dit, on se tape la tête contre les murs. Alors, je sais que pour beaucoup de Françaises, dans certains magazines, il y a une conception érotique du voile. Un fantasme. Mais les femmes se font attaquer à l'acide dans d'autres pays parce qu'elles ne le portent pas. Donc, elles sont à la ramasse. Pardonnez-moi ces termes familiers, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles ne rendent pas service à ces femmes, par exemple en Algérie, qui dans les années 90 se faisaient égorger ou bien immoler parce qu'elles étaient habillées à l'occidental. Et ça, je pense qu'il y a une vraie trahison de certaines femmes à l'endroit des femmes arabes ou du monde arabo-musulman. Il y a deux personnes que nous sommes allées rencontrer et on leur a demandé, parce qu'ils vous connaissent bien, l'un et l'autre, de croiser leur regard sur vous. Tout d'abord, c'est Manuel Valls. Oh, c'est vrai. Oui, alors homme de gauche, mais qui vous apprécie, qui a de l'estime pour vous. Et puis le philosophe Luc Ferry. Pour moi, Jeannette Bougrabe représente le courage. C'est le vrai courage intellectuel. Vous savez, le vrai courage intellectuel, c'est le courage de prendre aussi des risques qui vont jusqu'au risque physique. C'est une politique ou une passionnariat ? Passionnariat, mais au bon sens du terme, alors, parce que parfois, il y a un côté, au fond, pris de passion, on ne réfléchit pas. Non. C'est une républicaine, c'est ça qui nous a rapprochés. C'est une juriste d'abord, et ensuite une intellectuelle engagée à la fois dans un féminisme intelligent, républicain. Elle avait été plutôt enrôlée par la droite. Je dirais ni à gauche ni à droite, comme moi d'ailleurs, mais dans l'idée républicaine. Mais ces notions sont peut-être parfois un peu dépassées, et nous considérons, elle comme moi, que la République, c'est quelque chose qui doit tout transcender, et qu'il faut être extrêmement fort face à la montée de l'islam politique, de l'islamisme. Est-ce qu'elle n'est pas trop radicale ? Non, elle est très honnête, c'est surtout ça. C'est plutôt nous qui sommes mous et mollassons, c'est plutôt les idiots utiles de l'islamo-gauchisme qui sont dans la mollesse et dans le politiquement correct. Non, elle n'est pas radicale, simplement elle dit la vérité. Il y a une forme d'intransigeance chez elle. Parfois on pourrait lui dire doucement, attention, telle prise de position, c'est pas bien pour ta carrière politique, mais voilà. Elle y va. C'est une petite lame d'acier. Il y a vraiment quelque chose chez elle de comme ça, comme un petit ressort d'acier. Elle ne cède absolument sur rien. Elle a du caractère dans des époques qui sont trop aseptisées. On a besoin de caractère fort. Si vous deviez lui reconnaître un seul défaut. Elle a un petit côté peut-être un peu sombre. C'est pas du champagne, c'est pas pétillant, c'est pas léger, c'est pas superficiel. Il y a une force en elle, mais il y a ses propres blessures, il y a ses fragilités, mais ce qui fait que c'est un être humain. Qu'est-ce qui l'anime ? Est-ce que c'est un désir de revanche ? Non, certainement pas. C'est pas quelqu'un de revanchard et dans le ressentiment. C'est vraiment quelqu'un qui est, j'allais dire, presque naïvement dans le combat pour la liberté. Oui, c'est quelqu'un de vraiment bien. c'est tout bête, ça existe. Quelqu'un de bien. Ça existe. Merci à Manuel Valls et à Luc Ferry. Intransigeante. C'est vrai. Je ne fais pas de compromis et ça m'a coûté cher. Voilà. Et ça m'a coûté cher dans ma vie privée, ça m'a coûté cher dans ma carrière et ça me coûte cher dans... Oui, c'est vrai. Mais il a raison, mais je suis très, très touchée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux hommes. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Luc Ferry est exceptionnel parce que c'est un ami fidèle
Et je disais, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de la critique de la raison pure de Kant. Et quand il vous explique Kant, vous dites, mais bien sûr, mais c'est simple, évidemment. La plus belle histoire de l'école, vous, qui vous intéressez beaucoup au système éducatif, Alain Boissineau et Luc Ferry, justement, ça c'est son nouvel ouvrage chez Robert Laffont, je vous le donnerai d'ailleurs. Vous qui habitez la Finlande, qu'est-ce qui différencie ce pays d'une autre ? Alors, ils sont patriotes, ils aiment l'école. C'était un pays pauvre qui a tout mis ils ont compris que leur plus grande richesse, c'était la richesse humaine. Et donc, tout le programme qui a été fait, puisque nous sommes une jeune république, nous avons 100 ans, madame, nous fêtons nos 100 ans, c'est l'école. Donc, ils ont été premiers pendant très longtemps dans le classement PISA, ils sont cinquièmes. La culture est partout, c'est-à-dire vous allez dans des établissements scolaires, en fait, vous avez des tableaux de maîtres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'école doit ressembler à la maison. Et en même temps, les élèves se lèvent quand un adulte rentre. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça à n'importe quelle heure, comme on le laisse penser dans les systèmes nordiques. Il y a des choses sur lesquelles on négocie pas. L'autorité, elle s'impose d'elle-même. En fait, quand vous posez aux enseignants, mais comment faites-vous pour l'autorité ? La question ne se pose pas. La musique est partie intégrante de la culture. On pavoise tout le temps, en fait, en Finlande. On pavoise pour des poètes comme Runeberg. C'est le pays de Sibelius. On fait son service militaire et on le fait à 19 ans. Et même s'il n'est pas obligatoire pour les filles s'engagent. Il y a un trait de caractère chez les Finlandais, c'est le sisu, c'est-à-dire cette capacité à la résistance. Voilà. Et moi, je suis émerveillée à chaque fois, c'est que l'art, moi qui n'ai pas eu accès à ça quand j'étais enfant parce que mes parents n'avaient pas les moyens, ma fille va à l'Académie Sibelius, elle fait du ballet. Et tout est normal, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous vous sentez en sécurité ? Ah oui, totalement. En Finlande, oui, c'est... Il y a eu des attaques, hein ? Non, pas comme en France. Attaque au couteau ? Non, c'est... La Finlande est un écrin, en fait. C'est un paradis perdu, un paradis oublié de l'Europe, voilà. Je voulais aller en Nouvelle-Zélande. Et la Laponie est magnifique. C'est un pays de rêve, c'est un pays de Korismaki, c'est un pays où on apprend à vivre avec la nature. Moi qui pensais être une citadine, je me suis surprise en aimant la nature. Voilà. Vous souhaitez adopter un autre enfant ? Ce serait mon plus grand rêve. Alors ma fille, au début, elle était tout à fait partante parce qu'elle veut être grande sœur. Et elle commence à comprendre parce qu'elle a 6 ans. Il va falloir partager. Il va falloir partager. Donc elle est sur l'idée d'avoir quelqu'un de plus grand. Mais c'est un bonheur, c'est la chose dont je suis la plus fière dans ma vie, c'est ma fille. Voilà. Alors les gens disent beaucoup de choses sur ça. Et j'ai adopté un célibataire, donc j'ai adopté seule ma fille. Et on m'a dit beaucoup de choses en disant prends un abonnement chez ton psy. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que les enfants qui étaient adoptés, c'était des enfants qui seraient à problème. On m'a dit que de toute façon, comme j'ai adopté seule, j'aurais des enfants à spécificité. Mais n'écoutez personne. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. J'écoutais personne. Et je veux dire aux autres de pouvoir adopter. C'est la plus belle chose au monde. Et en France, en fait, soi-disant un pays de liberté, il y a plein de sujets tabous dont on ne doit pas parler. Il ne faut pas parler de l'amour, il ne faut pas parler de la maladie, il ne faut pas parler de la mort, il ne faut pas parler de plein de choses. Et je trouve ça triste, voilà. Mais ma fille vous comble. Plus que me comble, ma fille est mon tout. Je vous emmène aux deux ados ? Oui. Deux ados avec vous, Jeannette Bougrabe, et des réponses du tac au tac. Un cauchemar récurrent chez vous ? Quand je me rends compte que ma mère n'est plus là. Voilà, ça c'est un cauchemar. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vraiment vous débarrasser ? Arrêtez de grignoter le soir. Si vous étiez une héroïne de fiction, qui seriez-vous ? En fait, j'aimerais être Jane Campion, qui est à la limite entre la fiction et une réalisatrice comme elle. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie ? Je dirais 5,5, 6. Ah, ouais, bonne ça moyenne. Progresse, ça progresse. Si vous aviez les clés de l'Élysée le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez ? J'irais dans le jardin. À méditer ? Exactement. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France ? La baguette et le beurre. J'ai honte, je suis totalement franchouillarde. Où s'arrête votre pardon ? Ah, je ne pardonne pas facilement, en fait. Je crois que je ne suis pas pardonnée. C'est terrible. La critique, qui est le commentaire qui vous ont le plus blessé ? C'était...
C'était sur, sur charme, voilà. Je m'en remettrai jamais, voilà. Qui disait quoi? Que j'étais une menteuse, que tout était faux, que tout était horrible, voilà. Ça, jamais... Je crois que ce qui fait qu'il y a une faille et que j'ai encore du mal à l'idée de revenir, c'est ça, voilà. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. La chose la plus folle que vous ayez faite par amour? J'ai aimé quelqu'un que j'aurais pas dû aimer. Voilà. Quelle est votre part d'ombre? Je suis mélancolique. J'ai un fond mélancolique et c'est... Luc Ferry a tout à fait raison, il y a toujours une forme de gravité chez moi et que je mange souvent de légèreté. Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Non. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Je me battrais pour la cause des femmes. Mmh. La dernière fois que vous avez pleuré? Avant-hier. Je suis désolée, je pleure souvent. La dernière fois que vous avez ri? Eh bien, à l'instant. Voilà. Et si votre fille vous demandait une définition de l'amour, qu'est-ce que vous lui diriez? Toi. C'est mmh. toi, l'amour. Voilà. Et si je vous dis Vianney? Ah, c'est là, une petite musique gay. Je trouve que c'est un jeune chanteur-auteur talentueux. Et vous l'écoutez en Finlande? Je l'écoute et ma fille l'adore. Alors du coup, elle l'écoute le matin. Et quand j'ai envie de réveiller ma fille, qu'elle ne soit pas trop ronchon, je mets Vianney et tout d'un coup, elle arrive comme une petite souris dans ma chambre et elle se met, elle est de bonne humeur tout de suite. Alors, c'est un vrai bonheur. Avec quel titre? Moi, aimez-toi. Ah, on le savait, Jeannette. Si moi, aimez-toi, blessez-moi. Si moi, aimez-toi. Quand moi, aimez-toi, blessez-moi. Quand moi, aimez-toi. Si moi, aimez-toi, blessez-moi. Si moi, aimez-toi. Comment aimez-toi, moi, Vianney? Moi, aimez-toi, Vianney. Vous avez un univers musical plutôt chanson française? Très éclectique. Ça peut être la musique Sam, ça peut être Mozart, ça peut être du rap, ça peut être de la musique. Enfin, voilà, ma fille me fait. D'accord. C'est, voilà, on a retrouvé ce goût pendant très longtemps, ça a été très triste et la musique donne beaucoup de gaieté à la maison. Merci beaucoup, Jeannette. Je voulais aussi remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé ou Café. C'est une artiste qui a pour nom Caroline Copé. Depuis des années, Caroline Copé, elle continue son travail sur la couleur. Dans cette série, elle froisse sa toile, comme ça, à chaque changement de couleur. Donc, il y a différentes strates de couleurs. Il y a de la transparence, c'est particulièrement beau. Souvenez-vous de son nom, Caroline Copé. Je voulais aussi vous dire que samedi prochain, nous serons en compagnie de Mathilde Seigné, la comédienne. Et puis le lendemain de Sylvie Vartan, ce sera dimanche. Sylvie Vartan, ça évoque des choses pour vous. Ah oui, mais moi, j'ai grandi avec les émissions de variété de Gilbert et Marité Gilbert en portier. Donc bien sûr. Elle est d'une très grande sensualité, une très belle femme. Donc bien sûr que oui. Bon, portez-vous le mieux possible. Je suis en bonne voie. Oui. Retrouvez aussi la joie de vivre. Mais je voulais vous remercier de m'avoir invité parce que de revenir avec un livre difficile comme celui-ci et de m'accueillir sur le plateau, c'est un privilège. Vous faites partie des rares émissions où la place du livre encore... Enfin, le livre a une place et en tant que directrice d'un institut culturel, c'est important. Et à chaque fois, vous nous donnez la possibilité de défendre nos idées, vous nous laissez du temps. Et ça, c'est tellement rare et c'est devenu une exception dans ce paysage audiovisuel français. Donc, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. L'émission qui est consacrée à Jeannette Bougrabe, elle est rediffusée bien sûr cette nuit. Vous pouvez la revoir sur Internet et en replay sur France TV. On va terminer par un petit selfie. Hein. Ça, c'est une petite tradition. Voilà. C'est un peu modeux, je vous en... Non, moi, je fais plein de selfies avec ma fille. Donc, si vous êtes amie avec vous, d'accord. Vous verrez plein de selfies. Bon, elle sera même contente de vous voir faire un selfie, je suis sûre. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez vraiment une très belle semaine. Portez-vous bien, surtout. Au revoir.
je crie.